Et je vais passer donc, le micro à M. Donati, peut-être pour un petit mot. Merci beaucoup. Je pense que l'initiative que vous avez commencé à prendre l'an dernier, que vous continuez cette année, que vous continuerez, je l'espère, les années suivantes, est particulièrement intéressante, particulièrement remarquable. Surtout, mettre en évidence le patrimoine, la journée du patrimoine, auquel nous donnons quand même depuis quelques années un lustre particulier, eh bien, c'est au service de tous les tourbillons. Ce que je trouvais, c'est que j'avais suggéré que vous puissiez mettre tout ça sous forme d'un petit catalogue ou d'un petit album pour qu'on puisse en garder la mémoire, pour que ceux qui ne sont pas venus voir puissent regarder calmement chez eux, puis aller aussi regarder les jardins avec un autre œil. Ça a été fait pour l'exposition de l'an dernier. Moi, j'avais mis le souhait que ça puisse être mis en vente, tirer un plus grand nombre d'exemplaires et mis en vente. Vous puissiez le faire aussi pour celle-ci. Et puis, je voudrais, avec le syndicat d'initiative, lancer le projet d'avoir un ouvrage grand public sur Thomery. Nous avons beaucoup de textes sur Thomery, qui sont parfois des textes très érudits, mais avec une iconographie qui était relativement ancienne. Je pense que le moment serait venu d'avoir, comme le font beaucoup de communes autour, un petit ouvrage sur Thomery qu'on puisse se vendre ou donner un cadeau lors des mariages ou à nos visiteurs. Et on va constituer un groupe de travail dans les mois qui viennent. Et je serai évidemment heureux que vous y participiez. On va essayer d'avoir le plus grand nombre d'intervenants possible, de répartir les tâches et d'avoir au bout d'un an quelque chose qu'on puisse confier à l'imprimeur. Voilà, donc votre travail s'intégrera parfaitement dans cette initiative. Bravo encore et puis continuez. Surtout après les maisons et les jardins, vous avez déjà une idée de ce qui sera l'an prochain? Oui. Ah, mais c'est, je pense que le scoop, c'est pas pour aujourd'hui. C'est le, ça c'est le lieu que nous avons.